deux ans, en fait, avant qu'on commence notre réforme, il y avait 70% des étudiants qui étaient recalés en deuxième session, donc c'était énorme. Et donc, nous avons cherché d'autres outils pédagogiques pour améliorer leur apprentissage. Parce que les étudiants se relâchent après la première année où il y a un concours. Ils ont moins de travail à fournir, en fait, et il y a un relâchement au niveau assiduité, au niveau travail. Et ça se ressent beaucoup au niveau des résultats. Nous sommes tournés vers une pédagogie plus active. On s'est rendu compte qu'en fait, pendant les travaux dirigés, les étudiants étaient assez passifs. Ils prenaient la correction qu'on leur donnait telle qu'elle, sans réfléchir, sans s'entraîner. Et donc, nous avons pensé faire quelque chose de plus, où ils seraient plus actifs pour favoriser leur apprentissage. L'idée d'installer un écran interactif nous est venue lors d'une visite d'un Learning Lab à la faculté de pharmacie Paris 5. Nous avons vu les possibilités que ça nous offrait et ça nous a semblé une bonne solution. Marie-Sophie Noël-Hudson a été au showroom de TBI Direct et a vu les solutions et ça lui a plu. Et donc on a décidé d'installer des tableaux numériques EasyPeach. Ma collègue Marie-Sophie Noël-Hudson, en collaboration avec Abdallah Hamzé, ont fait une demande d'appel à projet pédagogique pour avoir un premier tableau numérique. Donc le financement a été accepté à peu près à moitié. Ils ont pu commander un tableau numérique EasyPeach à TBI Direct. Et comme ils étaient contents des résultats, nous avons envisagé un deuxième appel à projet pédagogique que nous avons fait, qui a été accepté en grande partie par la faculté et qui nous a permis d'équiper une deuxième salle d'un deuxième tableau numérique afin d'accueillir plus d'étudiants à la fois. L'installation s'est déroulée sur une matinée en fait. Des techniciens de TBI Direct sont venus installer l'écran. Moi j'ai assisté à l'installation du deuxième écran, pas du premier, mais ça s'est très bien passé et on a eu une démonstration à la suite de ça pour nous montrer l'utilisation des logiciels, notamment de montage et Mimio, pour pouvoir faire communiquer des tablettes avec les écrans numériques. La prise en main s'est bien déroulée, nos collègues ont joué le jeu et se sont fait au logiciel d'utilisation. Nous avons tout de suite eu de bons résultats. Nous avons choisi TBI Direct suite à un appel d'offres que nous avons fait. Et en fait, c'était les devis les plus bas qui ont été donnés par TBI Direct. Et il y avait aussi une solution de suivi en fait, qui était intéressante. Donc c'est ce qui nous a poussé à utiliser les services de TBI Direct pour le premier tableau numérique et par la suite pour le second si nous avons repris TBI Direct.